Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zone Art Télévision, c'est Espace Partenaire. Là, nous sommes avec notre partenaire fidèle Orange, comme vous pouvez le voir. Orange est là, Orange est avec nous. Nous recevons Papa Alain Karim qui est avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur l'animateur. Ça fait vraiment longtemps. En tout cas, ça fait longtemps, on est de retour. Heureusement, il y a Joël qui était bien régulièrement sûr avec vous. Bien sûr. Merci beaucoup. Ouais, Papa Joël Akin, nous disons aussi bonjour. Bonjour monsieur Galvin, bonjour chers auditeurs, bonjour à tout le monde. Voilà. Alors, nous sommes là encore une fois pour revenir sur ce qui se passe avec Orange. D'abord, nous félicitons bien sûr cette initiative d'Orange avec la bourse Oubora. D'ailleurs, Monsieur Joël est passé la fois dernière pour nous parler de cette bourse Oubora. Peut-être qu'on peut encore une fois revenir sur cette bourse Oubora. Comment est-ce que ça se passe encore une fois? Et nous dire encore une fois les personnes qui peuvent facilement postuler à cette bourse Oubora, l'initiative d'Orange. Bon, effectivement, Monsieur Calveux, comme je l'ai dit la fois passée, la bourse Oubora, c'est une initiative phare d'Orange et c'est seulement chez Orange. Parce que vous savez, comme je l'ai toujours dit, Orange a ses particularités et notre particularité, c'est mettre le client à la première position. Pour nous, le client est roi. Et nous devons partager le paix que nous gagnons avec nos abonnés. Voilà pourquoi on ne vient pas seulement vers les abonnés pour leur dire acheter les unités, acheter les modems, payer les forfaits. Non, non. Par moment, nous venons aussi dans les cadres de soutenir certaines personnes. Voilà la raison d'être de la Bourse Oubora. La Bourse Oubora, c'est une initiative qui accompagne les étudiants, qui accompagne aussi les nouveaux diplômés, si je peux le dire comme ça. Ouais. Et si on parle des étudiants, il y a ceux qui seront intéressés, ils sont déjà au niveau du deuxième cycle, et ceux qui seront intéressés, ils sont au premier cycle. Ceux qui sont au premier cycle, ils doivent avoir l'âge minimum de 21 ans. Et ceux qui sont au deuxième cycle, ils doivent avoir l'âge minimum de 24 ans. Et aussi, la porte est grandement ouverte à tout celui qui est diplômé, lauréat de cette année, l'année scolaire 2023-2024. Ouais. Il y a aussi même ceux-là de l'année antérieure, ils sont toujours diplômés, ils se retrouvent ils sont diplômés, si je peux le dire comme ça. Mm-hmm. Maintenant, pour être éligible, si je peux le dire comme ça, notre particularité, c'est-à-dire nous sommes en train d'aller vers le programme NTC, donc la nouvelle technologie pour la communication et l'informatique. Tu vois, on n'est pas là parce que c'est une bourse qui va beaucoup plus vers le numérique. Hein. Voilà pourquoi il y a des facultés que nous sommes en train de proposer à ces nouveaux diplômés ou bien à ces étudiants qui veulent bénéficier de la bourse Oubora. Ouais. On ne va pas seulement venir et dire que non, moi je vais faire le droit, je vais faire l'agronomie. Non, non, non. Donc c'est une bourse qui s'oriente vers la nouvelle technologie d'information et des communications. C'est un peu ça. Voilà. D'ailleurs, vous avez touché quatre facultés. Quatre facultés, oui. Si vous pouvez encore une fois nous donner les quatre facultés. Bon, les quatre facultés, il y a le Big Data et l'intelligence artificielle. Ouais. Il y a l'informatique des objets. Bon, ouais. J'étais clair avec tout ce c'est quoi les facultés, je pense que Papa Alain peut aussi prendre la main pour vous donner un peu les détails sur les facultés. Pour compléter, Monsieur Joël, nous avons premièrement le programme d'infrastructure et développement. Okay. Et deuxièmement, nous avons la sécurité informatique et nous avons la big data et intelligence artificielle. Ouais. Et le quatrième programme, c'est ça, l'Internet des objets, ce qu'on appelle IoT et développement des contenus. Donc tout ça, ça se trouve dans ce que M. Joël a dit, dans la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Voilà. Donc c'est ça, NTIC. Et c'est NTIC en anglais, c'est ce qu'on appelle actuellement, donc normalement, ICT. Mm-hmm. Information Technologies ICT Communication. C'est ça, donc en anglais, ICT, en français, NTIC. Il y a Delphine Kim qui nous suit maintenant sur TikTok et qui demande comment faire pour postuler. Ok, pour postuler, c'est simple. Il peut aller même, il y a un lien qui a été partagé à plusieurs personnes. S'il n'arrive pas
à accéder à ces liens ou bien il n'a pas ce lien, il peut aller directement même sur Internet. D'accord. Sur Google, il peut juste cliquer, écrire Bourse ou Bora de Orange. Et dès qu'il est dans Bourse ou Bora de Orange, on explique tout le contenu. D'accord. Et là, il peut cliquer, il y a un endroit où on vous demande de postuler. Vous pouvez postuler, il y a un formulaire qui apparaît et vous pouvez postuler dans ce formulaire-là. Et vous avez également un endroit où il faudrait télécharger, donc télécharger des documents qu'il faudrait annexer à votre candidature. Et après cela, vous envoyez et je crois que c'est tout. Là, vous attendrez maintenant Orange qui va vous sélectionner après avoir vu, reçu toutes les candidatures. Et par après, on peut aussi, Orange est intéressé, on vous appelle. Et après, vous aurez une suite. Voilà. Possible de donner le message en Swahili, peut-être. En Swahili, ok. Bazazi aussi, quoi, tout ça. Comprendre comment on est intéressé par tout ça ou par pimer les chances. Sante sana, kwa hiyo, kuko i mpango, ya bourse, enye wanaita bourse ubora. Ubora ni Kiswahili. Ubora ni kusema kitu enye ko mzuri sana. Donc, excellence mu français. Ouais. Ile bourse ubora, wanapatia wa wanafunzi wenye walimaliza masomo kwa hii mwaka wala miaka zenye zinatoka pita, lakini sikuwe zamani sana. Okay. Wanapatia hiyo bahati kwa wenye wanamaliza, banapata diploma. Na benye balishaka anza masomo hii chuo kikuu universite. Baisha anza chuo kikuu, lakini anapenda afanye deuxième cycle, aingie mwa hiyo taraja ya pili ya chuo kikuu. Okay. Na kwa hiyo awakamate kila mtu, wanakamata batu wenye wanafanya science enye wanaita NTIC, donc nouvelle technologie de l'information et de la communication. Voilà. Anachagula mule ndani tuko na programme INE. Kuko programme INE enye mtu wanafata, mwayo ma programme tuko na programme enye wanaita infrastructure et développement. Ya pili tuko na enye wanaita sécurité informatique. Ya tatu banaita big data et intelligence artificielle. Tunaya leo tuko naenda mu 5G. 5G ni intelligence artificielle sana njue ni tatumika. Na ya ine tuko na internet des objets et développement des contenus. Voilà. Donc mwenye anapenda a postulé mwa ile programme ya kuchaguliwa apate bourse. Na ile bourse tunarudilia tunasema Orange anakulipia masomo yote wala sehemu moja ile masomo, lakini batakulipia na mafrais zote connect yenye nakutanana na ile. Okay. Na bana kuongezea mega yenye utaanza pata wakati yote juu ya kukusaidia ufate maformation zingine en ligne juu ni bitu ya internet. Na kuko fasi kwenye batakupatia possibility ukiingia kama we hauna lien ya kuingia juu usubscribe na we upostule. Kama una lien, unaingia tu mu Google, unaandika bourse ubora, itakuonesha bourse ubora ya Orange. Unasoma biote nye banaandika ndani, kuko fasi banakuonesha upostule. Kupostule batakuletea formulaire, mwa ile formulaire, unajaza ile formulaire. Ukisha jaza formulaire, kuko fasi kwenye batakulomba, utelecharge par exemple document yenye ulipataka kumasomo, kuko certificat ya kuonesha kama umemaliza secondaire ou alors même les premier cycle on a été téléchargé ou comme un document qui n'est pas clomba par exemple carte d'électeur ako bayo identité ako on a été téléchargé mule kisha unatuma baada ya hiyo de baadae Orange itakuchagu itafata sasa ione kama huyu anastahili wala huyu astahili. Voilà. Bana kuchagula bana kuita. Voilà, postulez dès maintenant les amis et voilà, peut-être que vous aurez cette chance d'être choisi par Orange parmi BAT ou à profiter et bourse au Bora. C'est maintenant ou jamais les amis. Moi j'ai déjà que Google on est qu'à bourse au Bora Orange ou t'as cliqué au lien donc t'as quoi ma détail ou t'as complété à ta prochaine mais à ma somme on est informé bah petit frère quoi, petite sœur bah voisin bien sûr mon cas d'avoir pas de chance. Alors papa, alors peut-être que on va aussi revenir question il y a Bamingwa quoi je dis ces derniers temps par, bon, par rapport il y a ma perte il y a unité on a monte tout soit on a osé unité
à nos 100 unités, à nos coûts à chaque présent dans ces 50 unités, à nos 10 unités, à nos coûts à Hanakitu. Si on peut aussi revenir sur ce point, que je vois qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait juste des pertes d'unités. Ok, ok. Nawaza juu ya hiyo, kuko wateja mingi, anajikuta anapoteza ma unité. Ouais. Anapoteza samu alitia giga zake, ase siku itumikisha tami nakutana zinaisha. Kuna masababu mbalimbali zenye zinasababisha mtu apoteze maunité zake wala apoteze forfait ya qualité internet wala forfait ya appel voix wala ta ma SMS. Inasababishwa na nini? Kuko zingine unaweza kuwa wakati unanunua giga zako. Okay. Telefone yako ilikosa ikufanya ma mise à jour, uko na ma application za mingi, unaweza kutana unauza inakukula directement ma giga zako zulitia. Me kama haiko hiyo, kuko ingine neza sababisha ulifungula internet yako, telephone itaikula internet ma gigaza kwenye ulitia. Normal. Sasa juu ya kuepuka ile, basi kukule, tuko na ma njia mbali mbali. Na waza ndugu Joel atatufasiria zaidi kuko za mingi. Voilà. Mekungambo ya giga, uneza fanya tu etoile 105. Diez, unaingia ndani banakonesha kama uneza stoppe. Una stoppe, ni kusema abata kukulaka tena giga zako bila we uiruhusu telefoni kukule. Na kuko na ma zingine za mingi zenye tuko nazo enye ndugu Joel atatuonesha, baki kutumia par exemple unapataka ma message mbali mbali enye unapataka mewo unapenda usikuwe na ipata juu kipata ile message inakukula ma giga wala we peke njoli ya aktivaka. Par exemple tunapotaka poke yako ma message mbio mbio na jibia se acha na mie nipime kwanza kwa hii ya santé, kuko ya santé, kuko ya sport, kuko ya musique, kuko vitu yenye iko culturel. Wewe unatia nyuma bananza kukula wakati wote wanakutumia message ya ile peut-être juu ya kuyoa makazi fulani fasi kwenye ziko, na wakati Orange anakutumia, Orange naye atakula ma unité juu ile message haiko bure. Voilà. Njo ukipenda ba stoppe, ndugu Joel atatusaidia, tuko na oroza ndefu kabisa, sio namba za mingi. Kisi unaweza andika juu ustope ile ma message yenye unapataka na kukula ma unité. Voilà. Wala ma mega. Alors papa Joel, si tu n'es pas tangine ba yengine ma detail par rapport ya ile ku stoppe mtu asikwa poteza sana ma unité na ma mega, si ça se passe comment, ma formule à utiliser et tout. Bon, pour être un peu clair, je voulais éclairer l'opinion. Parce que vous savez, chez Orange, comme vous le savez, je l'ai toujours dit, nous, les clients sont rois. Ouais. Et nous ne voulons pas amener nos clients dans l'ignorance. Les clients doivent savoir ce qui se passe chez Orange. Parce que chez nous, on n'a pas de casquette. On est là pour rendre service à nos abonnés. Chez Orange, nous avons notre service client, Call Center, qui répond 24 heures sur 24 heures à nos abonnés. Okay. Nous avons deux numéros. Il y a le service client destiné aux partenaires et le service client destiné aux abonnés. Quand vous êtes un partenaire, donc vous faites le Orange Money, vous vendez les unités, vous êtes un distributeur agréé chez Orange, ce qui se passe, vous devez utiliser étoile, vous devez appeler 1888. Et directement là, vous serez pris en charge par un de nos confrères qui va vous orienter par rapport à votre plainte. Nous avons aussi les 1777. Les 1777, c'est pour tous les abonnés. Donc, vous pouvez avoir un problème à n'importe quand. Peut-être que vous n'aurez pas le temps de vous rappeler de tout ce que nous allons parler ici chez Zonar TV. Ouais. Mais vous pouvez appeler automatiquement avec votre numéro les 1777. Soit vous avez perdu vos unités, vous avez perdu vos forfaits, vous êtes bloqué par X ou Y. Ouais. Avant de rencontrer un agent Orange, vous pouvez appeler le service client et ce service vous prendra en charge. Je reviens maintenant sur ce que l'on est en train de dire par rapport aux pertes des unités. Ouais. Effectivement, nous avons des services. Comme vous le savez, M. Calvin, est que la communication se paye. Bien sûr. Nous sommes au 21e siècle. La communication ne se donne pas gratuitement. Bien sûr. Voilà pourquoi même tout ce que nous faisons aussi avec vous, c'est payable. Bien sûr. Maintenant, chez Orange, nous avons des services. Des services comme, par exemple, les éléments d'or. Ce sont des messages qu'on vous envoie. Il y a comme Orange Célébrité. On vous parle des grands jeux du Congo. On vous parle de proverbes.
Il y a des gens qui reçoivent de messages et de proverbes. Mmh. Il y a ceux qui reçoivent des messages de santé, voilà. Par rapport à la santé, par rapport à l'amour. Mmh. Il y a ceux qui aiment avoir de messages d'amour qu'ils peuvent transférer à leur copine, à leur fiancé, je ne sais pas quoi. Il y a un message pour mon Congo, il y a nutrition ou SMS de Venema. Il y a quelque chose qui vient de se passer à Aru. Maintenant, quelqu'un de Bukavu, vous devez savoir. Mmh. Orange est là pour vous mettre à la page sur les événements qui se passent dans le pays. Voilà. Il y a des messages comme Ndoule, par exemple. Quand vous appelez quelqu'un et vous entrez d'écouter une musique, vous pouvez sélectionner que non, j'aimerais quand quelqu'un se rentre de m'appeler pour s'écouter la musique de tel musicien. Mmh. Mais ce sont des services. Et ces services, c'est payant. Voilà. Et nous avons de services comme Quiz Ndembe Orange. On vous pose des questions, c'est un service quiz, on vous pose des questions, vous entrez de répondre, vous répondez, et à la fin, on sélectionne le meilleur, il gagne des prix. Voilà. Tous ces services, c'est payant. Maintenant, il y a des gens qui ont adhéré ou bien qui ont souscrit à ces services sans le savoir. Voilà. Parce qu'on vous envoie un message pour souscrire, vous cliquez pour un oui, par exemple, ou bien l'enfant avait un téléphone, il a cliqué sans le savoir, et directement, il a été sélectionné parmi les bénéficiaires de ce service. Ouais. Généralement, ce service se prend au moins, il y a des services qui prennent 15 unités le mois, il y a des services qui prennent 10 unités par jour, il y a des services qui prennent 15 unités par semaine. Okay. J'ai oublié le service des radios Okapi. Chez Radio Okapi, chaque après une heure, il y a les informations. Ouais. Et ceux qui souscrivent aussi par rapport au service Radio Okapi Orange, ils reçoivent le message d'info, les flash info là de Radio Okapi chaque après une heure. Okay. Et c'est payant. C'est facultatif. Si tu veux, tu peux continuer. On se rend compte de prendre les unités. Mmh. Maintenant, il y a possibilité de stopper cela. Mmh. Et voilà la raison pour laquelle nous avons choisi de parler de ces points dans ce numéro. Voilà. Il y a la possibilité de stopper cela. Mmh. Et la possibilité est simple. Mmh. Quand on vous prend les unités, il y a un message qui vous notifie qu'on a pris 15 unités parce que vous êtes dans le service Ndoule. Okay. Maintenant, le numéro là qui a pris les unités, pour mettre fin à ça, il suffit d'aller seulement dans votre application SMS. Vous écrivez stop en majuscule, vous envoyez à ce numéro. Mmh. Je donne l'exemple pour Element d'or, c'est le 4911 qui envoie les messages. Je vais mettre fin sur le message de Element d'or. Mmh. Je vais écrire stop en majuscule, j'envoie dans 4911. Par exemple, pour les quiz, les quiz d'Embe, je ne vais plus répondre aux questions d'Orange. C'est qui? Le quiz d'Embe, c'est 4000 ou 4000. Ouais. Je vais mettre fin à ça. Qu'est-ce que je fais? J'écris stop en majuscule, j'envoie vers 40 000 et ça stoppe. Pour par exemple nutrition, c'est 42 80 01. C'est ça nutrition. Maintenant, pour mettre fin à ça, je pars seulement dans SMS, j'écris stop en majuscule, j'envoie sur 42 800 et 1 à la fin. Mmh. Automatiquement, je me déconnecte de ça. Et si vous vous êtes intéressé, c'est quelque chose seulement de souscrire. Quand on vous envoie ce message pour vous demander de souscrire, vous pouvez accepter, vous souscrivez directement. Voilà. Il y a ce point. Aujourd'hui, il y a des gens qui perdent leurs unités. Par exemple, ils avaient pris des crédits dans leur téléphone sans les savoir. Comme vous le savez, je le dis en passant, nous donnons des crédits méga. Nous donnons des crédits unités. Nous donnons des crédits minutes. Vous pouvez vous retrouver à 0h ou bien à 21h. Vous voulez appeler un de vos correspondants, mais vous n'avez pas de minutes. Il y a possibilité de prendre les crédits chez Orange en tapant étoile 700 dièse. Mais quand vous tapez étoile 700 dièse, on va vous demander, vous voulez quel crédit? Est-ce que c'est le minute? Est-ce que c'est le SMS? C'est le giga? Ou bien les unités. Maintenant, lorsque vous serez en train de payer, je donne l'exemple, pour quelqu'un qui a pris un crédit de 500 unités, il va généralement payer 550. Quelqu'un qui a pris le crédit de 100 unités, il va payer 110 unités. Quelqu'un qui a pris le crédit de 50 unités, il va payer 55 unités. Maintenant, quand il y a le crédit dans ton téléphone, tu dois le payer. Comment ça se passe? Quand j'achète les unités, généralement avec Orange actuellement, il prend le 50% de votre recharge.
Vous êtes parti parce que vous avez pris un crédit, par exemple, de 100 unités. Mmh. Vous allez acheter le 2 giga 48R. Qu'est-ce qui va se passer? Orange va récupérer les 50% de votre 2 giga 48R. Or, les 50% de 2 giga 48R, c'est 60 unités. Mmh. Parce que le 2 giga 48R chez Orange, c'est 120 unités. Okay. Maintenant, Orange prendra 50%. Les 50% là, c'est 60 unités. Vous allez voir, vous avez payé 2 giga 48R, mais on va vous donner 1 giga. Et on va vous notifier, parce que pour nous, on ne fait pas quelque chose en secret. On vous notifiera que non, sur votre recharge de 2 giga 48R, Orange a pris 60 unités pour, en guise de paiement des crédits que vous avez pris il y a peut-être autant de jours, par exemple. C'est un peu ça. Voilà. Il y a ceux qui sont victimes de ça. Peut-être que tu avais pris un crédit méga. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, je peux prendre ton téléphone, M. Calvin, je compose étoile 700. Je prends, je prends un crédit de 500 unités et je me transfère les unités. Ah, okay. Quand vous allez récupérer votre téléphone, vous n'allez pas vous rendre compte que vous avez un crédit. Il y a des parents qui sont victimes de leurs enfants qui sont, entre guillemets, mal éduqués, par exemple. Ils peuvent le faire. Maintenant, vous, vous serez en train de vous poser la question, comment, quand est-ce que j'avais pris le crédit? Oui, il peut arriver par une personne mal intentionnée qui a pris votre téléphone et il a pris le crédit et vous devez payer ces crédits. Ça se passe comme ça. Or, aussi, enfin, il y a des gens qui naviguent hors forfait. Il y a des navigations hors forfait. Okay. Vous savez, quand vous achetez, vous avez votre téléphone, vous avez par exemple 500 unités. Vous activez 120, 2 giga 48R. Généralement, on va vous prendre 120 unités. Okay. Vous allez rester avec 380 unités dans votre solde principal. Vous allumez votre donnée mobile, vous commencez à chatter. Si votre SIM, votre numéro, n'a pas encore stoppé la navigation hors forfait. Vous allez remarquer, lorsque vous allez épuiser les 2 giga 48R, la connexion ne va pas se couper. Okay. Ça ne va pas s'interrompre. On va continuer à vous laisser chatter ou naviguer. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Orange sera en train de prendre tes unités. Parce que vous n'avez pas encore stoppé ce qu'on appelle la navigation hors forfait. Mais si vous avez déjà stoppé cela, la navigation hors forfait, quand vos mégas prendront fin, directement on va vous signaler que non, vous allez remarquer qu'il y a coupure de la connexion. Voilà. Même si vous avez les unités, il y a coupure de la connexion parce qu'on attend encore que vous puissiez activer. Bien sûr. Et comme vous le savez, nous Orange, j'aime Orange, c'est notre marque. Et nous avons de quoi dire à nos abonnés ce dernier temps. Pourquoi? Parce qu'on est la meilleure de la RDC. Chez nous, vous allez m'excuser de le dire. Chez nous, quand vous arrivez à 80% de votre d'utilisation de méga que vous avez, il y a une notification. Il y a une notification. Je peux acheter 1 giga maintenant. Si je parviens à utiliser 80% de mes mégas, automatiquement, je dois avoir une notification. Bonjour, vous avez épuisé 80% de votre forfait. Un peu pour me dire, si vous avez les unités, comptez directement à activer parce que vous risquez bientôt d'entrer dans la navigation hors forfait. Voilà. Nous sommes organisés. Permettez de le dire. Coup de chapeau à Orange, à nos techniciens. Alors, pour peut-être finir, on va revenir sur la question de Moïse même, qui nous suit maintenant sur TikTok et qui demande, les routeurs, c'est à combien déjà? Alors, je me tourne vers Papa Alain Karim. Okay. Vous pouvez nous donner tout le détail sur les Airbox et Homebox Orange, et c'est à combien? Ok, merci beaucoup à Moïse. Et je crois que Moïse, tu dois être notre fidèle client, abonné. Et j'aimerais d'abord marteler en disant ceci. Ouais. Orange, pour la 3e édition de Ookla Awards, ça c'est une agence qui fait des tests pour reconnaître la meilleure connexion Internet. Et Orange, pour la 3e fois successive, a été proclamée comme la meilleure connexion Internet mobile et fixe. Et sur la partie mobile, donc tout ce qu'on utilise avec nos téléphones, et sur la partie fixe, c'est ce que nous offrons à partir de nos modems Airbox et Homebox. Et s'il a besoin de ce modem Airbox, et ça, nous offrons ça à $25. $25 et tu as un bonus de 25 gigas
pour une validité de un mois. Ouais. Donc c'est presque gratuit, disons. Bien sûr. Et s'il a besoin de ce modem Homebox, là nous offrons ce produit à $32. Okay. Et il bénéficie d'un bonus mensuel de 50 gigas pour tout un mois. Donc c'est ça nos prix. Et par après, il peut recharger comme il veut. Il peut aller soit sur Maxit, qui est notre application phare, ou soit il va sur les syntaxes étoile 816. Il peut également activer des forfaits et connaître même sa balance, ce qui lui reste et ce qu'il a. Et où trouver ces Homebox et Airbox? Et ces produits sont accessibles un peu partout. Nous avons des agents sur terrain qui les vendent. Nous avons également plusieurs agences, nos partenaires, qui vendent également ces produits. Ou soit, il peut se diriger à notre HQ. C'est au rond-point Signers. Nous sommes également à côté des Ecobank. Nous avons une franchise qui est la Next Africa. Nous sommes également aujourd'hui chez Serena Hotel. Il peut également trouver ses produits. Nous avons plusieurs franchises, même ici à vers Alanine, vers Trois Payottes. Même quand vous allez à l'intérieur de la province, nous avons plusieurs franchises et ces produits sont accessible à un prix imbattable. Voilà. Orange est là et voilà, comme toujours, Orange, c'est la meilleure connexion d'abord, ça vous le savez déjà. Voilà. D'ailleurs, comme on ne peut pas aller, on de le dire, Orange a été sacré meilleur réseau en matière de connexion. De la connexion Internet. Voilà. Oui. Donc, si vous n'utilisez pas encore Orange, c'est les bons moments également d'essayer avec la connexion Orange et vous ne serez pas vraiment au-dessus. Sinon, déjà, nous promettons que pour les mardis, préparez-vous. Il y aura vraiment des cadeaux très très spéciaux à gagner avec Orange mardi à Kionzergiste. Donc soyez déjà prêts. Peut-être pour finir, Papa Joël. Bon, je voulais juste rappeler nos utilisateurs actuellement, ceux qui ont déjà payé des Homebox et des Airbox avant. Pour recharger, on connaissait des problèmes pour recharger les gigas encore. Lorsque vos gigas sont épuisés, ou bien pour vérifier votre le forfait qui reste. Il y a des gens qui ont leur dit que non, il y a 50 gigas. Ils se disent comment je vais vérifier. Chaque fois, il fallait enlever la SIM du box et le mettre dans le téléphone et faire étoile 125. Et c'est fatigant. À partir de la semaine passée, nous avons trouvé une solution par rapport à ça. Désormais, votre SIM, votre box peut rester fixe là où elle est, à partir de votre téléphone avec une autre SIM, vous pouvez vérifier vos forfaits. Ok. Ou vous pouvez recharger votre Airbox, votre Homebox à partir d'un autre numéro. Je donne l'exemple. Vous pouvez avoir un Homebox ou un Airbox que vous utilisez chez vous. À partir de mon téléphone ici, je peux le recharger. Okay. Ou à partir de mon téléphone ici, je peux voir si dans ces Airbox ou dans ces Homebox, il reste combien de mégas. Voilà. Pour essayer de dire est-ce que je peux recharger ou pas. Et la formule est simple. Il suffit de faire étoile 101, étoile 24, dièse-es. Étoile 101, étoile 24, dièse-es. Voilà. On va vous poser les questions. Est-ce que c'est un forfait 1, est-ce que c'est un forfait Homebox que vous voulez voir? 2, est-ce que c'est un forfait Airbox? Est-ce que c'est un forfait Fiberbox? Souvent, on ne parle pas ici de Fiberbox, on ne parle que de Homebox et Airbox. Un jour, on reviendra pour vous parler de Fiberbox. Est-ce que c'est votre forfait Business Box? Est-ce que c'est votre balance forfait? Je veux savoir si... Bon, j'ai reçu mon Homebox il y a 4 jours. Je l'ai utilisé par telle ou telle autre personne. J'aimerais savoir, il me reste combien de forfaits à l'intérieur, je peux le vérifier. Voilà. Donc, que nos abonnés ou bien nos utilisateurs de box n'ont plus à s'inquiéter. Utilisez la formule étoile 101, étoile 24, dièse et S pour vérifier votre balance et pour recharger votre Airbox ou Homebox sans enlever la SIM de la box. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Ou soit, ils peuvent faire aussi, pour ajouter à ce que Joël a dit, étoile 816, dièse, yes. C'est la même fonctionnalité. Ou soit, vous allez sur votre application, étoile 816, voilà.
ou soit vous allez sur votre application Maxit, également vous faites faire les mêmes opérations. Voilà, j'ai bien retenu les deux formules, étoile 101, étoile 24, c'est ça? Papa, je vais faire ça. Oui. Étoile 101, étoile 24, 10 ou carrément étoile 816. Voilà. Oui, oui. Sinon, soit vous allez sur l'application Maxit. Maxit, voilà. Sinon, merci de nous avoir suivis et continuez toujours à utiliser Orange parce que Orange est là, Orange revient avec force, avec plusieurs avantages. Le kit Airbox Orange. Guys, on en parle ou pas? Alors, ce kit Airbox est disponible à seulement $25. Et à l'achat, tu as droit à 25 gigas. La famille, Twende Tououze. Franchement, en plus, les forfaits Orange sont juste incroyables. C'est simple, pratique et surtout, c'est rapide.